Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Mais avant toute chose les amis, on n'oublie pas de s'abonner s'il vous plaît à la chaîne YouTube, ça fera extrêmement plaisir. Voilà, on n'oublie pas de le petit like et de partager la chaîne YouTube. Parce que je vous rappelle, c'est vous les acteurs principaux de cette chaîne. Sans vous, cette chaîne ne grandira pas. Donc un grand merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Je vous aime, la bise. Les amis, du coup dans la description, n'oubliez surtout pas le Discord communautaire. Voilà, tous ceux qui veulent rejoindre une petite communauté qu'on essaie de créer en tout cas sur le Discord communautaire pour le multigaming, bah, n'hésitez pas. Voilà, tout le monde est bienvenu dans ce Discord. C'est de l'entraide. On essaie de tous s'entraider. La preuve, comme je l'ai dit précédemment dans une ancienne vidéo, le code de la piraterie, par exemple, c'est un membre de la communauté multigaming qui nous l'a gentiment donné. Donc en tout cas voilà, si ça vous intéresse d'aider ou même d'être aidé sans forcément rejoindre une corporation ou quel que ce soit d'autre, n'oubliez pas, le Discord communautaire est là pour vous. Par la même occasion les amis, le Discord de la corporation de la légitime FR, alors une corporation française qui a pour but de grandir dans le vert, de mettre son empreinte dans le verse. Pour tous ceux qui s'intéressent, voilà, des gens, on cherche des gens sérieux. C'est compliqué à trouver, mais après on sait très bien qu'on a tous une vie ou quoi, mais on veut quand même des gens qui sont un minimum sérieux, qui sont pas là pour juste rejoindre pour dire qu'ils ont rejoint. Ils sont là pour participer, pour aider, pour voilà, pour essayer de faire avancer les choses. Que vous soyez solo, solo en groupe, nouveau ou vétéran, voilà, tout le monde est accepté au sein de la corporation. Il suffit juste d'être des personnes sérieuses. N'oubliez pas aussi mon petit code de parrainage les amis pour tous les nouveaux comptes et récits. Ça vous donnera 5000 AUEC en plus pour à chaque mise à jour. Donc n'hésitez vraiment pas à l'utiliser. C'est aussi bien pour vous que pour moi. Du coup les amis, on se retrouve pour cette petite vidéo où on va faire des ERT. Bon, en réalité, on l'a déjà fait. Je tourne cette intro juste après la vidéo. Juste pour, voilà, pour vous dire qu'on a fait des ERT. Donc vous allez voir si c'est rentable ou pas. Je vous spoil pas. Je vous laisse le bonheur de regarder la vidéo, les amis. Et autrement, j'espère que vous allez la kiffer. On n'oublie toujours pas de s'abonner. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Justement. Et au pire des cas, si ça fonctionne pas, il essaie d'aller vendre en ville, non? Faut que je décharge. Faut que je recharge mon vaisseau, là. Ouais. Non, c'est mort. Ça restera ici. Hangar in Hubs. Mais du coup, les 32 SCU, je sais pas où on pourrait les vendre. Ça doit être que dans les villes alors. C'est genre ça. Pourtant, il y a d'autres produits qui étaient acceptés en cette taille, mais. Ou alors, c'est qu'il est pas en demande. Ah bah, Ça va, il commence à être critique là, non? Alors. Ça va. C'est moi. C'est moi et les ascenseurs. Une histoire. On va ressortir des conteneurs. Et je vais inventer un petit truc électrique pour se déplacer à l'intérieur de la station. Franchement, ça m'étonnerait pas, hein. Ils sont capables de sortir un exosquelette. C'est vrai. On va sortir du tungstène. Demande à Mac, je viens de voir qu'il fait du. Il a fait du trade. Demande-lui les 24 SCU, on les 30, les 32 SCU, pardon, on les vend où? À qui? À Marc, à Mac dans le général. Ouais,
Les combien Entre tu dis, tu sais? les 32. Oh putain. Et ouais. Ah non. Oh, ok, ça vient de passer à travers le sol encore. Et Nassi. Non, c'est pas ça. Attends, j'ai peut-être une idée. Attends, mais je peux même plus rentrer mon vaisseau. Mais wesh! Pour le jeu, c'est pas mon vaisseau, c'est pas mon gars. Que tu l'as fait toi, Star, mais il te pisse dessus, hein. Je sais pas, j'ai mis 80 balles dedans pourtant. J'ai pas acheté le pack de base. Ou alors c'est le vaisseau qui me hante parce que j'utilise plus le vaisseau que j'ai acheté. Ça doit être ça. Super. Ah putain de la croyance en les démons là, c'est pire. Pas très active, hein, pas très active les gens. Ils me répondent pas les gens. Ah mais non, mais t'as parlé dans le... Je te parle de la corpo, le chat de la corpo. Ils demandent toi. Sur le Discord. Non mais t'as un Mac là qui est... Moi je peux pas, je suis en train de me casser les couilles à charger le vaisseau. Mais il est pas là. Il est déco. Non mais sur Discord. Bah oui, mais il est déco, Macorion. Mais oui, mais il vient de poser un message. Mais non, à 23h14. Attends, mais what the fuck, comment ça se fait que ça m'a apparu que maintenant pour moi? What? Mais il y a une couille là dans le pâté. Tu viens de la recevoir sur ton portable la notif ou... Non, non, sur le Discord du PC. Ouais, c'est chelou. C'est pas parce que c'est une autre notif et t'as cru que c'était celle-là? Ah non, parce qu'il n'y en a pas d'autres notifs là. Dans les news et tout là. Non, même pas. What D'ailleurs, il the s'est pas mis à fuck? jour depuis hier 17h. Ah, depuis le 22? Bah attends, mais... Tu n'as pas l'impression d'envoyer des messages dans ce salon. Ah oui, tu m'arrives avec les droits. Mais du coup, je sais pas pourquoi le bot il. Bah le boss il a écrit hier. Moi, le dernier message que je vois du bot, c'est le 17. Deux secondes, tu picoles, in-game. Sur mon serveur, c'est quand? Ah, ouais, bon, en même temps, il n'y a pas eu de news depuis le 20, je pense. Ça va, en deux missions, j'ai quand même bien rempli de ces deux-là. On va faire une petite dernière quand même pour le sport. Oh mais bon, faut que j'aille retrouver une autre caisse parce que celle-là a despawn. Chercher mon sandar aussi.
Ah, par contre, si je repère une autre caisse, je pète une pile. Si tu repères une caisse. Y a la caisse de titanium qui est passée à travers l'air porte là. Esporte. Je viens de perdre une caisse de titanium. On va essayer avec une petite du coup. Attends, mais d'ailleurs. Mais j'ai même perdu mes deux gros conteneurs en fait. Ah non, ils sont là. Ah. Dis-moi, ils sont là. Tac, c'est bon. Du coup, je vais voir le reste. Et donc, ça c'est bien. C'est bon. Putain, le problème, c'est que le carac, lui, là. Il a atterri. À côté du bunker. Attends. Tu me tires déjà dessus en plus. En vrai, s'il est vide, tant mieux. Ok, il est vide, c'est parfait. Plus du bonheur. Let's go. Hop, du coup, l'émission. Chasseur de primes. Est-ce que Hygène vient acheter? Faut que je regarde le grade déjà. Ils ont prévu le coup. Enfin, j'ai une HRT, mais c'est le grade en dessous de celle qu'on a fait là. Ah, mais non, c'est bon, j'en ai une qui vient de pop. Le partage. T'as récupéré? Ouais, c'est bon. Je monte dans le vaisseau. Et... Si je peux décoller, je pars. Sinon, faudra que j'attende. Hop, Valkyrie Cutlass défoncé. Du coup, il reste plus que le 400i et le Cutter, normalement. Il y en a C'est un truc. qui est pas très bien, je crois. Normalement, c'est le Cutter qui est en train de m'aggro. C'est les vaisseaux qu'il faut pas défoncer, hein. Faut les laisser en self-défense. Critique. Oh, le soleil tombe. Bon, je le mon gars, c'est. Enfin, le soleil. Oh, c'était ce qu'il a. Il y en a un qui me Limite. suit encore. Bah toi je crois que t'as le plus gros sur tes côtes. Si je me trompe pas, t'as le 400i sur toi. Ah, il y a ceux qui viennent de rentrer dedans. J'ai les deux là. Attention, il y a un Le contact à toi. caterpillar, il est sur moi.
Waouh! Caterpillar down. Je répète. Ah, j'ai vu ça. C'est une blague ou le 600 il est encore en train de me tirer dessus là? Ah non, mais il est vide. Le Caterpillar vide. Mais c'est une blague hein. Alors, il est où le dernier? Sur moi, il me fait bien chier. Oh, je le prends, je suis vénère. Avec toi, t'inquiète, ces boucliers, ils vont fondre comme neige au soleil. Bah, déjà plus de boucliers à l'arrière. À l'avant, ça commence à être compliqué pour lui. Ce serait qu'on trouve un vaisseau comme le mien que je puisse prendre ses armes et que je me upgrade dessus avec. Bah après si c'est les armes d'origine qu'il a gros, il sera comme ouais. Toi quoi. Attends, il y a un autre pirate qui vient d'arriver. Je sais pas, effectivement j'ai entendu un contact. C'est bon, il est mort. Tu l'autre contact là. Il y a deux contacts. Il y a un prospector et un buccanier. Hein. Ah mais il y a des flics à côté, d'accord. Ouais, on va laisser les flics se battre. Je vais faut scanner le. C'est le scan. Ou 600. Ah c'est le scan. Je me fais attaquer. Ah bah c'est par le... Attends vas-y je vais lui baiser sa race. Il est passé à côté de moi. On va finir le scan. Il a l'air vide. Le scan me dit rien. Passager, strike force. Missile. Y'a rien. Eh, vas-y, viens, on les déglingue. C'est déglingué parce que moi, ils sont trop agiles pour moi. Et mes armes ne suivent pas le temps que j'essaie de scan. Ça coûte rien d'essayer de scan. Ouais, allez, vite, cherche pas. Te fais pas chier. Vas-y, bah, du coup, let's go, leur ville. Pour moi, en tout cas, est-ce que tu es prêt à savoir si on peut vendre? Oui. Alors... Je suis en train de prendre mon vaisseau et d'arriver. Bah écoute, quantanium, je peux vendre. Fourniture médicale, je peux vendre. What? Attends, il doit y avoir un bug là. Il doit y avoir un bug, c'est pas possible. Je vais me faire 729 000 rien avec le quantanium là. Ah frère. Et 205 000 avec les fournitures médicales. Est-ce que je peux les descendre en même temps? Oui. Fournitures médicales, c'est une grosse caisse. C'est les grosses caisses et les petites caisses, enfin c'est tout. Donc normalement je peux même pas les toutes petites, parce que j'avais des petites, une SCU de ça je crois. Bah là j'ai des grosses et les petites. Pas ici.
bien heureux tout le monde. Donc, bon, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, les ERT, on en a fait deux ou trois. On a récupéré tout ça, donc quasiment 1 million de marchandises. C'est assez chill, c'est tranquille en plus. Donc, ma foi, c'est plutôt pas mal. Juste avant de faire ça, je sais pas pourquoi, dès que je m'approche de ça, je lag. Ça m'énerve un peu. J'ai 7 325 000. Donc, normalement. Normalement, c'est bon, on va voir. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Transfert terminé. Voyons voir. Au niveau de la thune, 7 millions 8. Il y a moins que prévu, par contre. Hein. Il y a une couille dans le pâté. Il y a une petite couille dans le pâté. Après, peut-être que parce que les prix, ils ont varié parce que j'ai vendu, mais c'est normal. Normalement, c'est pas... aussi cher que... Enfin, c'est pas aussi une variation aussi grosse que ça. Ouais, donc là, il en reste. J'ai même encore de la tritoxine ici. Oh. Ça tombe bien, je pourrais peut-être aller les vendre. Il me reste encore même du RMC. Mais ok. Bon, voilà les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo sur les ERT qui sont... bon, bah, malgré tout, c'est là qu'on fait le plus de pognon, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a même pas mis une heure pour faire ça. Vraiment, ça a été... une rapidité assez vive, on va dire. Donc, honnêtement, pour le moment, en tout cas, c'est l'un des trucs qui rapporte le plus dans Star Citizen. Forcément, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Je sais qu'elles vont le rapporter bien plus que celle-ci, mais en tout cas, là, en 3.24, pour le moment, dans notre série, on nous en sommes aux ERT, VHR, télé, tout dans le genre. Donc, c'est ce qui rapporte pour le moment. Pour le moment, le plus. Donc les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like, surtout très important les amis, partagez la chaîne YouTube. C'est grâce à vous que la chaîne se développe et continue de grandir. Donc un grand merci en tout cas à tous ceux qui le font. Et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.